À plus. Satisfaction, je tiens tout bien d'être avec Charlotte, Morgane et Pierre en cette fin d'après-midi pour inaugurer ce système d'aquaponie en hyper centre-ville, place du Forum, et je crois que vous s'y prêtez véritablement. Moi, je suis très heureux à tout petit, premièrement, parce que ce projet, il a été choisi par les Rémois dans le cadre de l'appel à projet La Ville et la Ville en Vert, où les Rémois ont choisi, plébiscité, un projet parmi tant d'autres, un projet qui permettait d'être montré, partagé à l'ensemble des Rémoises et des Rémois. Et puis, deuxième satisfaction, j'en ai plusieurs bien sûr, mais la deuxième, c'est que c'est une association portée par deux jeunes femmes pleines de dynamisme. Et c'est aussi l'image de la ville que je souhaite montrer, Charlotte et Morgane, avec l'association Ficus que vous avez montée, en partenariat bien sûr avec Pierre Arlot pour la mise en place du système, donc et tout savoir-faire. Et je crois véritablement que ce système et l'aquaponie fait partie de ces éléments qui vont nous permettre, dans l'avenir en tout cas, de permettre de nous rendre, de rendre nos villes beaucoup plus vertes, entre guillemets, plutôt dans le développement durable. L'aquaponie, je l'avais vu et découvert notamment dans le cadre de Quartier Libre, avec Pierre, et puis un autre lieu à Reims, alors il y a eu quelques difficultés, mais c'était la première étape, avec la paix du salut, et moi également, à mettre en place devant chez eux des bacs, évidemment, pour faire pousser des plantes aromatiques, des fruits et autres, et que les Rémois puissent véritablement également se servir, et c'est aussi un lieu d'échange. Également la possibilité, aux habitants de la ville, sans mettre en place un système de taxes, d'occupation de biens publics, la possibilité de fleurir et de verdir leur maison, leur trottoir. Donc ce projet s'inscrit véritablement dans l'objectif que nous partageons avec l'Orléans que je tiens. J'espère certainement que nous aurons d'autres occasions de travailler ensemble, parce que voilà, votre association elle est remplie d'analyse, voilà, c'est une vision partagée de la vie, en tout cas de ce que la façon dont vous voir et visionner les villes de demain. Bravo en tout cas. On vous attendait, hein, plutôt ce temps-là qu'on installe cette structure. Donc, bah, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci également aux élus qui nous ont permis de pouvoir réaliser ce projet. Merci à toutes les personnes qui ont été pour nous. Mais avant de remercier tout le monde, présentons un petit peu cette structure et pourquoi on a décidé de mettre ceci sur la voie publique. C'est pas anodin. Donc, Ficus, qu'est-ce que c'est ? C'est végétaliser les espaces urbains. Pourquoi on végétalise les espaces urbains ? Parce que bah, quand on est dans un milieu rural, on est en contact régulier avec tout ce qui tourne autour de la biodiversité, on la manipule, on essaie de la comprendre, on se transmet des conseils de grand-mère en fille, etc., etc. Mais en ville, on en est très loin. Donc, première chose, se rapprocher un petit peu de la végétation, parce que, un, ça a des vertus dans tous les sens. Voilà, ça serait une très très grande liste des vertus, mais la première, celle qui nous intéresse, c'est que ça a des vertus relaxantes. Il faut savoir, les gens souhaitent habiter à proximité de la végétation parce qu'on est d'accord qu'on est tous bien ici et qu'on pourrait donner d'autres lieux en ville ou en extérieur de ville où on s'y sent un petit peu moins bien. Donc se sentir bien, c'est quand même indispensable, surtout quand on vit en collectivité. Merci beaucoup. Donc ça, c'était le premier point, pouvoir se retrouver dans un espace végétalisé et pouvoir en sentir le bien-être. Donc si vous êtes tous là aujourd'hui, je pense que si vous trouvez ça beau, c'est que ça a des vertus apaisantes et que c'est bon pour le bien-être. Donc voilà, ça c'était la première chose. Comment ensuite pouvoir attirer les curieux en faisant des choses belles,
Donc, on a voulu vous mettre à disposition et vous offrir cette structure avec Morgane et Pierre et les bénévoles qui nous ont aidés sur la construction et la mise en place de cette oasis. Donc, on a voulu vous mettre à disposition une oasis. Voilà, donc on a essayé de recréer ça le mieux possible avec des palmiers, avec du relief, avec du bois qui paraît quand même relativement naturel et beaucoup de végétation. La ville de Reims aussi nous a mis à disposition des végétaux. Donc voilà, profitez-en, elle est là pour vous, elle est là 3 mois et on espère vivement, après cette première expérience, pouvoir réitérer avec des projets beaucoup plus pérennes. Et puis, n'hésitez pas à venir nous retourner un petit peu vos avis, critiques, toute critique est constructive. Voilà, donc je passe le micro à Pierre pour qu'il nous explique un petit peu le système aquaponique. Merci. Bravo! Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. C'est assez touchant puisque l'aquaponie, c'est un domaine, une technique de culture millénaire qui malheureusement était pas mal boudée de l'industrie et de partout, puisqu'il y a de nombreux champs d'application. Et de vous voir tous là ce soir et puis d'avoir cette opportunité de présenter un système aquaponique en ville, c'est une chance et ça fait plaisir. Donc merci. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'aquaponie, si vous ne connaissez pas encore. Donc l'aquaponie, c'est une technique de culture assez formidable qui a de nombreuses vertus, entre autres de permettre l'économie de 90 à 95% d'eau par rapport à la culture conventionnelle en terre. À l'heure des problématiques sur l'eau, c'est vraiment intéressant. Ça s'applique à tous les pays, donc le futur de l'aquaponie est en marche. D'autres faits, c'est que le poisson va devenir de plus en plus rare et ça va être très difficile de consommer du poisson comestible d'ici 20 ou 30 ans. C'est déjà assez difficile si on veut, ceux qui mangent du poisson, d'en manger du sain, qu'il soit des océans, des mers, des rivières ou d'élevage, ils ont tous des problèmes. Et là, dans ce système d'aquaponie, en fait, on a des poissons qui sont dans une eau parfaitement pure. On pourrait presque la boire si on était un peu aventurier. Elle est quand même très, très claire. Et donc, un autre avantage, c'est que ça pousse 2 à 3 fois plus vite qu'en terre. Donc, on a des rythmes des rotations de culture assez rapides. Par exemple, sur des salades, au lieu d'être à peu près 45 jours, on peut tomber sur des 27, 28 jours. Donc, c'est génial. Que ce soit en intérieur ou sur des toits en extérieur ou dans des serres. En fait, tout est possible avec l'aquaponie. Donc, maintenant, comment ça marche? C'est là que réside la magie de la nature, puisqu'en fait, on reproduit un écosystème naturel. On a les poissons qui sont dans une eau de pluie en général. Là, on a de l'eau de Reims, donc de l'eau du robinet. Les poissons mangent, poissons font des déjections. Les déjections sont transformées par toute une flore bactérienne en nitrite puis en nitrate. Donc en fait, les nitrates, c'est ni plus ni moins que des engrais, enfin des nutriments pour les plantes directement accessibles. Et donc en fait, c'est une alliance entre les poissons, des bactéries et les plantes. Donc les poissons salissent pour les plantes, les plantes nettoient pour les poissons, et puis après il y a des bactéries qui mangent sur leur dos, des vers de terre aussi. On peut avoir des vers de terre dans des tours comme ça. Enfin, on s'approche vraiment d'un écosystème parfait. Donc, il n'y a pas encore de label bio en France, c'est en train d'arriver en Amérique. En Europe, peut-être qu'il y aura une sorte d'alternative au bio sur l'aquaponie. Pour le moment, c'est pas au programme. Mais le niveau de culture de l'aquaponie, c'est un niveau organique, à condition qu'on nourrisse bien ses poissons, qu'on ne donne pas n'importe quoi, bien sûr. Voilà, je vais laisser la parole à Morgane. Et puis encore merci d'être venu ce soir. Bravo! Déjà, merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire ce projet en votant pour nous. Merci à la ville de Reims de nous avoir fait confiance, d'avoir été présent pour répondre à nos questions, de nous avoir mis de super équipes à disposition, les espaces verts. Et monsieur de La Fontaine, qui nous... On les applaudit. Vraiment. On remercie nos mécènes, le Crédit Mutuel.
Victoria qui nous a rejoint tout dernièrement dans l'aventure en nous mettant à disposition d'autres végétaux et puis nos couronnes de fleurs pour ce soir et toute leur gentillesse pendant cette semaine d'installation. On remercie surtout Dominique. Alors je ne sais pas où il se trouve, il s'est caché, il ne veut pas qu'on le voie. Mais Dominique, c'est notre menuisier et ça a été notre chef de travaux pendant toute la construction de la structure. Il nous a mis à disposition son atelier, son savoir, son accueil et il fait vraiment, vraiment partie d'aventure avec nous. Voilà, et c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire ça. Voilà. Et on remercie Velours qui nous a soutenus depuis la création de Ficus, qui nous accompagne et avec qui on apprend beaucoup pour monter des projets comme ça aussi. Donc voilà. Et Touraine. Et le Touraine aussi, qui nous dépasse. Et surtout, il y a des petits-enfants qui sont là, de l'école université, qui ont participé avec nous au projet de la fontaine. On les a emmenés en forêt, ramasser des déchets verts. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Donc voilà, donc avec eux, on a ramassé des déchets verts. Ils en ont fait des œuvres d'art qui sont en ce moment en restauration, qui vont bientôt être accrochées sur la fontaine. Ils ont fait un plan en fait de la fontaine avec les fleurs qu'on va retrouver ici. Voilà, et ils ont été très créatifs et vraiment, vraiment au top. Donc merci à l'école université et à Madame Chaquet, leur professeur, qui nous a fait confiance et qui nous a suivis dans l'aventure. Voilà, merci à tous. Bravo. Bravo. Allez. Est-ce qu'on nourrit les poissons avec quelque chose de spécial? On peut nourrir Pierre, peut-être? Alors, pour nourrir les poissons, c'est monsieur ici, bonjour. Pour nourrir les poissons, vous avez plein de façons de faire. Comme je disais à monsieur Robinet, on peut tout simplement récupérer des restes de cuisine. Donc par exemple, je sais pas, vous mangez du quinoa, du blé, des trucs comme ça, vous pouvez leur redonner de la semoule, des lentilles, de la salade, du chou. Enfin, il y a à condition que ce soit des poissons omnivores. Ils peuvent manger un petit peu tout, donc ça c'est un pan de la façon dont on peut les nourrir. Et l'autre pan, ça serait le lombricompostage, l'élevage d'insectes. Donc là encore, élevé à partir des déchets qu'on pourrait récupérer soit de sa propre cuisine, soit du restaurant ou de partenaires. Je pense qu'il y a pas mal de déchets organiques qui sont produits sur cette place par exemple. Et après on peut donc prendre les vers de terre, les nourrir, on peut aussi récupérer les limaces le soir dans son jardin et se faire un petit plaisir de les sacrifier avec une utilité, pas sadiquement. Et puis voilà, après il y a vraiment plein de choses, on peut cultiver de la spiruline, cultiver des algues. Vu qu'on est dans un écosystème parfait et que la nature est parfaite, en fait on trouve toujours une façon de faire quoi. Il y a même des déchets, des bouts de végétaux qui vont tomber, qui vont se faire nourrir par les poissons, que les poissons vont manger. Et voilà. Donc, et puis après ils se nourrissent peut-être un petit peu aussi d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est assez pas mal. Plus de questions, monsieur dame? C'est bon? On a fait le tour? Bon, bah merci à tous d'être venus. Bravo! Et profitez-en vraiment! Merci la forge! Eh, on a oublié quand même, les copains. On a oublié de saluer la forge. On s'en veut. La forge, qui est une association rémoise aussi, qui mixe un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. La forge. Personne.
questions particulières, des super gros remerciements, des bouquets de fleurs. Thank you.